Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va changer un petit peu dans le registre de ce que j'avais proposé avant, puisque là, on va partir pour un sommet de plus de 3000 mètres, la haute cime des Dents du Midi en Suisse. Donc là, ça va changer un petit peu des randonnées classiques, hein, on commence à se rapprocher de l'alpinisme, même si ça n'en est pas encore. Donc il faut prévoir des vêtements chauds, un casque surtout, puisque le rocher dans la région est vraiment pourri, donc ça dégringole pas mal. Après, c'est pas la peine d'avoir de cordes ou de baudriers. La grosse difficulté de cette randonnée, elle n'est pas technique, puisque les quelques passages difficiles sont équipés. Elle est surtout physique, puisqu'il y a plus de 16 km à faire en aller-retour et 2100 mètres de dénivelé. Donc on peut le faire sur 2 jours, en dormant au refuge là derrière, ou alors on peut le faire en une journée. Et pour ça, il faut compter à peu près 9-10 heures pour faire le tour complet. Sachant que là, on va monter par la voie normale et descendre par l'arête des lacs qui est assez peu fréquentée. Voilà, donc bonne randonnée à tous.
Except for New York.